Salut tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la série sur le mode pro team du jeu Tour de France 2021, mais avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification, de liker, partager, commenter, et venir me rejoindre sur Insta, c'est Cyclisme 3D, et sur TikTok c'est Cyclisme 3D, et également sur la PS4 c'est Cyclisme 3. On réussit à tenir, mais par contre pas de points au classement de la montagne, si 2 avec Paris Peintre, vraiment tactique très compliquée honnêtement aujourd'hui. Bah, le Chapa avait jusqu'à 4-5 minutes d'avance, et Paris Peintre était en défaillance dès le premier catégorie, du coup quasi impossible à tenir sur la longueur. Goudia craqué, par contre j'ai l'impression qu'on a l'air d'être un peu mieux au niveau du rythme des vidéos. Je vais essayer de être un peu plus régulier, même si là j'ai un peu la flemme de tourner les vidéos et j'ai un peu moins de temps là. En français je dois lire une biographie. Bon, finalement c'est une sur Bernardino, mais de 350 pages, pardon. Bon voilà, et puis j'ai d'autres voilà, j'ai les études aussi. Même si je partage beaucoup de ma vie sur les réseaux, j'ai aussi les courses à suivre. Puis voilà, et puis le week-end dernier, c'était entre le rallye de Finlande, Roubaix masculin et féminin, que finalement je disais que j'allais pas regarder par Roubaix féminin, mais finalement si. Bon, on va attaquer avec Geraint Thomas, pourquoi pas. En plus, il est censé être en pic de forme 2, en plus l'état de grâce, vu qu'il a gagné l'état de la veille. Mais déjà, Van Aert qui a craqué, ça c'est intéressant, mais déjà. Bon, les deux Paris-Roubaix masculin féminin, le match du PSG et tout. Il n'y a pas le marathon de Paris, du coup, ça encore, ça m'a avantagé. Mais généralement, je regarde que le deux premiers kilomètres et puis basta. Et puis, j'avais les études aussi. Je vous ai dit que j'avais beaucoup de trucs à faire sur YouTube. En tout cas, en vidéo sur la chaîne, bah jusqu'à novembre-décembre, déjà, au mois de septembre, je vous ai dit qu'il y aurait la preview plus du championnat d'Europe et du championnat du monde, plus le débrief de ces deux courses. Du coup, championnat d'Europe, championnat du monde. L'analyse de la section de l'équipe de France pour le championnat du monde à Louvain, plus également l'analyse de ce que l'on sait actuellement du parcours du Tour de France 2022, et puis les séries habituelles sur le pro team et sur le mode pro team et pour du jeu Tour de France 2021. Et puis le mois d'octobre, j'ai quoi, j'ai prévu de Paris-Roubaix qui a déjà fait, et du Tour de Lombardie dimanche, le pro team et le pro leader, le débrief du Roubaix et du Lombardia. J'ai l'analyse du parcours du Tour de France 2022, et puis j'ai également du coup là, puis j'ai également, j'aimerais bien vous faire quelques vidéos commentary en mode commentateur sportif. On est plus cuit hein, et Romain Bardet a craqué, et on serait pas en train de bien remonter là au général actuellement. Bah on serait en train de très bien remonter là, mais on est plus que 5 hein. Et le maillot jaune qui a craqué. Bon, par contre, à la Philippe et Pogam, ils sont tous cramés en devant. On va craquer un peu sous la flamme rouge avec Geraint Thomas. Ça, c'est difficile. On a parlé, on a bien tenu. Finalement, on fait partie des 5 plus forts là. À moins qu'ils aient des défaillances devant, je ne vois pas comment on pourrait les rattraper. À la Philippe, double. Enfin, champion du monde Geraint. Mais bon, dans le jeu, c'est Merlier qui a gagné à Londres. On serait vers la 6ème place du général actuellement. Ce qui serait pas si mal non plus. Je sais pas combien de temps on était ce matin en général, j'ai pas vu, on était à 1.04 hein, du maillot jaune. Bernal aussi qui a craqué, mais Bernal était derrière nous. Mais on est en train de bien remonter là, parce que bah Roglic aussi était derrière nous. Là on est en train de remonter vers la 4ème, 5ème place du général. Parce que attendez, on va regarder ceux qui étaient devant nous. Bon, déjà, Vlasov hyper loin. Lutsenko aussi. Mollema pareil. Ça nous fait 3 places de récupérer. 5ème à peu près. Et Bardet aussi. Et Fugel. Ça peut nous faire 5 places de récupérer ce soir, honnêtement. Il n'y a que Roglic, il n'y a que Alaph et Poga hein, qui étaient devant nous ce matin. Qui sont encore à notre rythme. Roglic et Bernal sont distancés à leur instant aussi. À la pipe qui est distancé par Tadej Pogacar. Et mais à la pipe sera en jaune ce soir. Et nous on va aller chercher la 3ème place ici, on prend 4 secondes de bonification. Bon, pas d'état de grâce, dommage pour nous. Déjà qu'on était censé être en pic de forme. Il y aura normalement le classement de la combativité avec Michael Valgren et une belle place au classement général. Pour Geraint Thomas, ça c'est dans les classements finaux. Mais on aura également bah, le une victoire d'étape à Apt avec Geraint Thomas. Et peut-être un maillot à poids, mais ça faudrait s'arracher lors de la prochaine étape. Et ça me paraît très compliqué honnêtement, le maillot à poids. On était très bien placé, mais finalement, à cause des erreurs tactiques, on le paye cash ce week-end. Et puis pour les vidéos, il y aura toujours 2 épisodes de Pro Team et Pro Leader jusqu'à fin octobre. Bah déjà, fin de semaine, vous aurez le Lombard. Enfin, vous aurez
les monuments semaine prochaine. Du coup, vous aurez Brest Cup et début du. Du Dauphiné. Après, vous aurez le Dauphiné fin octobre. Et puis au mois de novembre, vous aurez au total. Attendez, parce que là, oui, début. Alors, quel qui prend le jaune, hein, ouais. Le maillot vert pour Demar, le maillot à poids pour Newcastle, le maillot blanc pour Pogacar. Déjà, cette semaine, c'est quoi? C'est fin de Paris-Nice. Voilà, il n'y a eu qu'un épisode de Pro Team ces dernières semaines. Quoique, à moins que. Ouais, Paris-Nice aujourd'hui. Du coup, cette semaine, Paris-Nice et les monuments, semaine prochaine, vous aurez quoi? Vous aurez Brest Cup et début du Dauphiné. Après, vous aurez Dauphiné. Et peut-être, ça dépend au mois, octobre, le début du tour. Et après, je vais faire encore deux épisodes de Pro Team et Pro Editor jusqu'à tout le mois de novembre, en fait, pour faire le Tour de France. Jusqu'à la fin de notre Tour de France, ce sera deux épisodes de Pro Team et Pro Leader par semaine, oui. Et après, on aura un épisode de Pro Team et de Pro Leader par semaine. Comme ça, on pourra se terminer au mois de décembre. Lors de la période décembre. Fin novembre, deux épisodes de Pro Team et Pro Leader. Comme ça, du coup, il y aura cette fin de Paris-Nice cette semaine avec les monuments, la Brest Cup, le Dauphiné, le Tour de France. Également le retour que j'aimerais bien faire en l'allure de deux épisodes par semaine. Et après, on aura au mois de décembre normalement l'Open Tour et championnat du monde Tour de Lombardie et à partir du mois de janvier la dernière saison avec que les courses auxquelles qu'on a gagné et si on les a gagnées certaines les courses principales. Du coup au classement général on est quatrième avec Geraint Thomas, attention à la pipe en jaune, 21 secondes d'avance sur Pogacar, 34 sur Fugel, 52 sur nous, 1 seconde devant Romain Bardet. On est bon, maillot à poids, ça dit 26 points pour Youkarty. Attention, pareil, pas de 15 points. Il y a 11 points à récupérer. J'espère que ce sera jouable. Bon, 202 points démarre. Notre meilleur coureur, c'est Valgren avec 103 points. De toute façon, il y a 80 points au total. Attendez. Ouais, non, il n'y a que 60 points lors de la prochaine étape. À part VDP qui peut très clairement aller le chercher, Ninzolo, ça me paraît impossible. Après, on sait jamais, évidemment. Le maillot blanc, une minute d'avance pour Pogacar sur Bernal. 2,56 sur Vlasov. 3,33 sur Evenepoel. Et 3,52 sur Godu. Classement par équipe, on est 13e. On récupère une place. Et Sinos devant Jumbo. Astana, UAE et Movistar. Et classement de la compétition, Valgren, 497 km. 440 pour Van Gessel. 365 sur Vliegen. Et 304 sur Tragnik. Et 189 sur Maximilian Charman. Thomas, meilleur coureur devant. Tout simplement devant Demar, Ben Hermans, Pogacar et Aurélien Paré-Paré dans une meilleure équipe. 206 points contre 178 pour Dokenang, 126 Israël, 119 groupes AMFDJ et 96 UAE Team Emirates. Et non, on se retrouve dans le final de la prochaine étape. On reprend très tard, mais finalement j'ai réussi. J'avais 11 points de retard au maillot. Après, j'en ai pris 12 aujourd'hui. Et du coup, normalement, j'aurais. Parce que aucun des coureurs d'échappée comme Dylan Teuns. Bétiol, Chicone ou même Cosnefroy n'avait des points. Du coup, le maillot poids, j'aurais pour un point. Alors, ça va être très juste. Avec Geraint Thomas, par contre, offensivement, on a beaucoup attaqué, tout comme Primoz Roglic aujourd'hui. Par contre, il reste que 7 bornes. Alors, a priori, voilà. Bon, on a l'échappé avec 1 minute 15 d'avance sur le peloton au début du Col d'Aise. On a basculé avec 50 secondes de retard. Ça fait une trentaine de secondes, même pas, de récupérer 25. En 8 km, mais la sanction, bon, c'est pas passé grand chose. Hein, ouais. Pour la tête de la course. Ouais, Col d'Aise, il s'est pas passé grand chose. Par contre, à niveau barre bleue, bon. Mais j'ai pas entendu. Attaque du maillot jaune, ok. Non, mais Bardet, voilà. Normalement, Romain Bardet, il est une seconde derrière nous en général. Normalement, Drake, Kwiatkowski qui veut faire son bail. Pourquoi pas Kwiato qui l'attaque. Mikhail Kwiatkowski écoute. Il faut vite éviter le piège dans les virages. L'homme de tête arrive sur la promenade des Anglais. Mais je vais essayer de reprendre un peu plus de régularité. C'est vrai que ces derniers temps j'ai fait moins de vidéos que d'habitude. Je m'en excuse, mais bon voilà. Après en même temps, beaucoup sont venus
avec la période TDF, et c'est vrai que bah, pendant la période TDF, c'était une vidéo par jour quasiment sans aucune exception. Les jours où il n'y avait pas une vidéo, bah je raterai après avec des débriefs, ou du coup ça faisait deux vidéos par jour entre TDF et les débriefs. Allez, ou même le mercato, allez, allez, Garen Thomas, allez, 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 allez. Et la quatrième place, ça sera pour Wout Van Aert. Écoutez, on a. On n'a pas fait grand chose aujourd'hui. A priori, enfin, c'était une étape assez calme. Bon, pour mon équipe, il y a les deux jeunes cracks d'AG2R, c'est vrai qu'ils ont été très bons. Par les peintres, on avait ramené un maillot à poids avec. Un maillot fer, pardon. De l'Open Tour avec une deuxième place derrière Guillermé, je crois. Alors son premier passage en saison 2 de Pro Team, et bah là il est de retour. Et bah j'espère que ça se passe bien justement. Mesdames et messieurs, accueillez le changement. En tout cas pour le moment, on ramène un maillot à poids par Nice. Et puis il nous fait déjà fait beaucoup plaisir, comme Guérin Thomas sur les trois jours de la Provence. Qu'on avait remporté avec Villeneuve l'an dernier, qu'on a remporté cette année. Et également, on avait déjà remporté avec Valentin Madouas en saison 2 l'Open Tour. Et on a gagné la Brest Cup en saison 3 avec Pachy qui a été non. Le maillot jaune pour Alaf, le maillot vert pour Démarre, le maillot à poids pour Paris Fin pour un petit point, le maillot blanc pour Tadej Pogacar. Écoutez, j'ai envie de vous dire, bah, c'est ce que ça s'est bien passé finalement en théorie. On n'avait pas vraiment d'ambition pour le classement de cette étape. Moins qu'on puisse dire, c'est que vous n'avez pas fait mentir. On finit avec le maillot à poids, c'est super. On fait 13ème au sprint, 10ème des favoris. Enfin, top 10 parmi les favoris. Classement général 4ème. Maillot à poids pour un petit point. Maillot vert, bon. On aura Valgren 6ème, pourquoi pas. 12ème Team Merlio, maillot vert, c'est vrai, bon, et que 479 francs, même. Thomas, c'est mieux. Le maillot blanc pour Tadej Pogacar devant Bernal, Vlasov, Hirschi, Martinez, Gaudu qui descend 7ème. Parce qu'il a dû attendre Arnaud démarre, incompréhensible. Le maillot, enfin, le classement par équipe Ineos devant Jumbo, Astana, UAE et Bahreïn. Nous, on est 12ème, on récupère encore une place. Et classement de la compétitivité, c'est pour Nouvelle Grenade. 502 km, 540 pour Van Gestel. 365 pour Vigen, 304 pour Trikning, 289 également pour Maximilian Charman. Le classement individuel pro cycling, 146 points pour Guérin Thomas, 117 PPC pour Pogacar, 93 pour Démarre, 76 pour Alaph et 74 pour Bardet. Et en tout cas, nous, on a 270 points contre 226 pour De Koenig, 170 Ineos, 159 UAE et 150 groupes AMFDG qui généralement finit dans le top 5. Et on se bat souvent avec De Koenig et Jumbo un peu de temps de retard, même Jumbo là, seulement 107 PPC. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas tout ça, vous activez la cloche, les notifications, likez, partagez, commentez, de venir nous rejoindre. Enfin, de me rejoindre sur Insta, c'est cyclisme 3D, sur TikTok, c'est cyclisme 3D, sur la PS4, c'est cyclisme 3D. Mais avant de se quitter, on va voir les parcours avec bon, déjà la Brest Cup, du coup l'étape de Saint-Goisec avec Fougères et Plaudren. Ce sera la semaine prochaine. Dans le prochain épisode, Londres classique, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège. Après, on aura Saint-Gorès, Saint-Christian-Jarret, Saint-Vallier, Saint-Étienne, Col de Porte, Saint-Martin-de-Belleville, Megève et Station des Rousses. Sur le Dauphiné, cette étape, oh là là, cette étape, vous souvenez très bien, ça c'est l'étape de Satan. Megève, bah, c'est moi, j'ai dynamite et généralement tout là-dedans. Saint-Martin-de-Belleville, faut gérer. Et Porte, bah, avec le tour avec Romain Bardet, c'était assez moyen. Mur de Bretagne, enfin, l'an dernier, Mur de Bretagne, Pontivy, Fougères, Laval, c'est comme on dirait. Ah non, sauf que c'est une ascension de Mur de Bretagne. Touron. C'était pas un peu raccourci, genre l'étape de Limoges 2016, 294 km entre Saumur et Touron, au lieu de Saumur-Limoges. Taillée pour les sprinters, cette étape sera sans doute maîtrisée par leurs équipes. Si attention toutefois au dernier kilomètre qui sera disputé sur faux plat montant, un terrain qui peut venir troubler les habitudes de certains sprinters. Le Creusot, Grand Bornand, Alpe d'Huez, intéressant. Valence, Malocène, Nîmes, Carcassonne, Quillan, Andorre, Arcalis, Saint-Gaudens, Col de Portet, enfin Col du Portet, Saint-Cotrez. La Reims, Saint-Émilion et Paris Champs-Élysées. En fait, c'est le même parcours limite. Que, bah, c'est le même parcours qu'on a eu en Pro Leader.
hormis l'étape de Mur de Bretagne. Et après l'étape qu'on ce qu'on réussit jamais à gagner avec Pidcock, même si là on aura Valgren et Thomas. Düsseldorf en chrono, Liège, Trois Ponts, Roubaix et Pernay. Ça va être vraiment être assez intéressant. Et puis Brioude, Albi, Loudon, La Pierre Saint-Martin, Plateau de Bay. Alors ça va être très 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 gros. Honnêtement, peut-être avec un Guérin Thomas, pourquoi pas, ou Champoupou. Et au programme. Bon, ça ce sera la plaine. Et puis le Giro de Como, je vous laisse voir le profil. En tout cas, comme je vous dis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous abonnez, activez la notification, likez, partagez, commentez. C'était Cyclisme 3D, Bouscavida.